Bonjour à tous, tous ceux qui nous regardent. Merci d'être là, d'ailleurs, de prendre le temps de regarder ce message. C'est le troisième dimanche où nous méditons sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le 3 et le 10 avril, mes collaborateurs François et Charpie ont abordé la mort de Jésus. Si vous ne les avez pas écoutés, vous pouvez encore le faire sur la chaîne YouTube et revoir les messages. Et donc ce matin, c'est à mon tour d'apporter une pierre à l'édifice. Charpie nous avait laissé la semaine dernière avec les éléments suivants. Jésus est mort, il est dans le tombeau, et il est surveillé par des gardes juifs, envoyés par le Sanhédrin, qui est la plus haute autorité religieuse juive de l'époque. On pourrait dire, c'est la fin. La mort est souvent vécue de cette manière. C'est la fin. Si vous avez déjà vous-même connu le décès d'un proche, on est triste, on est quelquefois découragé. La perte de cette personne disparue nous manque cruellement. Et je voulais vous lire un témoignage par rapport à cela. La mer est calme, le ciel d'azur. Et le vent souffle et me murmure que tout s'éteint ici-bas depuis qu'il n'est plus là. Seulement 3 jours qu'ils l'ont tué. J'ai l'impression que cela fait des mois. Les heures sont longues, vides de sens. Pourquoi? Pourquoi ce Golgotha? N'était-il pas plus fort que la mort? Lui qui guérissait aveugle et boiteux? La mer et le vent même lui obéissaient. Pourtant, on l'a crucifié. Et lui, il n'a rien dit. Ces 3 années passées ensemble, cette vie de paix, ces miracles, tout cela est bien fini, aujourd'hui. Amertume, désillusion. Mon âme est morte et je suis là découragé. Je n'ai qu'un souvenir qui s'évanouit plus le temps passe. Vais-je reprendre ma barque et mes filets? Tiens, les femmes sont de retour. Elles sont allées pleurer ce matin sur le tombeau. Voici le début d'un chant du groupe Promesse qui s'appelle Résurrection. Et je vous encourage à l'écouter totalement. Et c'est vrai que ce début m'a parlé beaucoup par rapport à qu'est-ce que devaient ressentir les disciples à cette mort. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, la mise au tombeau, tout cela, et on dit toujours, d'ailleurs, dans un décès, que voilà, il y a plein de choses qui sont à faire, mais arrive un moment, ben voilà, le tombeau est fermé, et on a l'impression que c'est fini. Si effectivement c'était la fin, ça serait une perte de temps de fêter Pâques. Bon, je ne parle pas de Pâques avec les chocolats, je parle de la résurrection de Jésus. François l'avait dit déjà dans son premier message, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. S'il est resté dans le tombeau, ben voilà, il est comme n'importe quel autre leader, on va dire, religieux qui, à un moment donné, a pu apporter quelque chose et puis s'en est allé. Mais il y a donc une suite. Et c'est cette suite dont je vais vous parler ce matin. Et on va prendre le temps, bien sûr, de lire le texte de Matthieu, chapitre 28. Et je vais lire les 7 premiers versets. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Nous allons reprendre ces éléments et essayer d'en tirer quelque chose pour nous aujourd'hui. Après le sabbat, dit le début du texte, à l'aube du premier jour de la semaine. Comme cela a déjà été précisé par mes collègues, les Juifs observent le sabbat avec le lever et le coucher du soleil. Et donc le début du sabbat commence au coucher du soleil le vendredi, pour ce qui nous concerne. Mais nous voici ici avec notre texte, non pas à la fin du sabbat, qui a eu lieu au coucher du soleil le samedi soir, mais au lever du jour du troisième jour, le dimanche de très bonne heure. Rappelons-nous que dans le texte de la Genèse sur la création, c'est bien le premier jour que la lumière fut. C'est donc aussi le premier jour que ressuscite la lumière du monde. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres », a dit Jésus. C'est donc le premier jour que la lumière fut. Marie de Magdala et l'autre Marie, qui est identifiée par l'évangile de Marc, par Marie, mère de Jacques, qui était apôtre et qui faisait partie du petit cercle autour de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Elles sont, comme prévu, venues au tombeau pour apporter des aromates. Pourquoi, direz-vous? Je vous lis un petit témoignage d'un monsieur qui s'appelle Freddy Winkler, qui écrit sur les ensevelissements et les coutumes juives au temps de Jésus. Et voilà ce qu'il écrit. Pour l'ensevelissement d'un mort dans un tombeau de famille taillé dans le roc, on enveloppait de linge le cadavre et on le couchait sur un banc spécialement aménagé dans la pierre. Au bout d'un an, le corps s'effondrait et les ossements étaient alors mis dans un coffre spécial, une espèce de petit cercueil en argile ou en pierre qu'on appelait ossuaire et qui tenait peu de place. Le tombeau pouvait ainsi servir aux générations suivantes. Ces sépultures devaient être pourvues d'une entrée devant laquelle on roulait une pierre, comme ce fut le cas pour le tombeau de Jésus. Comme un tel lieu d'ensevelissement devait être ouvert à diverses reprises, le cadavre était traité au moyen d'épices agréablement odoriférantes, qui étaient ajoutées dans le linceul. Elles étaient destinées à combattre l'odeur dégagée par le corps mort, mais non à le conserver. On sait très bien que les Égyptiens, eux, embaumaient le corps complètement, mais ça ne se faisait pas chez les Juifs. Mais par contre, on essayait de réduire les odeurs avec ces aromates. Et donc, elles sont là, avec ces aromates. Et puis, d'un seul coup, il y a un grand tremblement de terre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. Moi, j'en ai vécu ici, quelques années, un tout petit, mais je pense que ce doit être quelque chose d'exceptionnellement important, un grand tremblement de terre. Si vous avez suivi les deux messages précédents, ou si vous connaissez le passage, vous savez qu'à la mort de Jésus, il s'est passé la même chose.
Matthieu, chapitre 27, verset 51 dit « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. » Même chose à la résurrection, un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige, et les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Remarquons la puissance de cet ange, car la pierre roulée devait être extrêmement lourde. On évitait que les plaisantins puissent déplacer des pierres devant les tombeaux pour profaner les tombeaux. Donc une pierre conséquente. Et si on compare les autres évangiles, on s'aperçoit que les femmes n'étaient pas présentes à l'apparition de l'ange. D'ailleurs, on se demande pourquoi ou à quoi elles pensaient quand elles vont au tombeau. Elles savaient que la pierre était là. Elles avaient vu cela. Elles savaient qu'elles ne pourraient pas la déplacer. Des fois, l'émotion nous fait faire des choses bizarres. Et elles sont là. Luc, dans son évangile, mentionne deux anges, lui, mais Matthieu et Marc ne parlent que d'un qui s'adresse et qui adresse la parole aux femmes. Bien sûr, les gardes étaient peu habitués à l'apparition d'un ange, et un ange si puissant qu'il tombe raide, ou du moins évanoui. Quelqu'un a écrit, moins ces soldats comprirent les phénomènes qui se passaient autour d'eux, plus, dans leur superstition de païens, ils éprouvèrent de la terreur. Puis l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Quand il s'adresse aux femmes, il en est tout autrement qu'avec les gardes. C'est seulement à elle qu'une parole est adressée. Il ne parle pas jusque-là. Il apparaît, il fait peur. Mais là, il parle. Il s'adresse aux femmes. Et son comportement est rassurant. Mathieu Briand, un commentateur, a écrit ceci. Mais pour ceux et celles qui cherchent le Seigneur, le message de Dieu apporte la paix. Et cet ange apporte ce message particulier. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Et il précise, comme il l'avait dit. Et des fois, là encore, on se demande, on se pose des questions, mais les disciples, ils étaient mal, comme on dit, quoi. Pourtant, ils étaient au courant de ce qui allait se passer. Je rappelle Luc, chapitre 9, verset 22, où Jésus parle et dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. C'était clair. Luc 18, toujours Luc dans son évangile, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. On a bien la mort et la résurrection. On pourrait dire seulement Jésus a parlé de sa mort, voilà, on va me tuer. Mais non, il parle aussi de sa résurrection. Enfin, dans Matthieu, chapitre 17, verset 22-23, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Bon. Ils étaient au courant, ils le savaient. Jésus l'avait dit.
Mais est-ce que nous écoutons ce que Jésus dit? Ou qu'est-ce que nous gardons de ce que Jésus dit? Suite à ce message, je me suis posé la question, mais la résurrection se trouve-t-elle aussi dans l'Ancien Testament? J'ai lu un commentaire de Daniel Monpetit, qui est bibliste à Montréal, qui écrit ceci. Selon la pensée israélite, tout être humain se rend au Shéol. Il s'agit d'un lieu de ténèbres. On trouve ça dans Job, chapitre 10, verset 21. Un lieu où les gens tombent dans l'oubli. Fosse, ténèbres, gouffre, vague. Voilà autant de termes que le psaume 88 emploie pour décrire le Shéol. Comme nous le constatons, le sort misérable des habitants de ce lieu se rapproche de l'inexistence, puisqu'il n'y a aucune possibilité de retour vers la lumière. Deux éléments permettent une évolution vers la foi en la résurrection, écrit-il. D'une part, Israël reconnaît en Yahweh le maître de la vie et de la mort, et en effet, le premier livre de Samuel atteste la toute-puissance de Dieu dans 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Yahweh fait mourir et vivre, il fait descendre au Shéol et en fait remonter. Ce texte rappelle que Dieu est plus fort que la mort, car il peut rendre la vie aux morts. Donc on voit bien que les Juifs avaient cette pensée de la mort et peut-être la résurrection si Dieu le veut. Nous avons aussi bien sûr des récits de résurrection dans l'Ancien Testament, notamment 1 Roi chapitre 17 verset 17 à 24, où Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, et son disciple Élisée dans 2 Rois 4 verset 34 ressuscite la fille de la Tsunammite. Nous avons ces deux textes qui nous parlent de résurrection. Donc on voit bien que la résurrection n'est pas absent de l'Ancien Testament, mais n'est pas clair dans le plan de Dieu. Enfin, pas tout à fait. C'est un texte du Nouveau Testament qui va éclairer particulièrement un acte très important de l'Ancien Testament, où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. C'est vraiment ce texte qui est une allusion directe à Dieu qui lui sacrifie réellement son fils, alors qu'il empêche Abraham de sacrifier le sien en pourvoyant avec un bélier. Et nous trouvons ça dans Genèse 22, verset 13. Et Abraham leva ses yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par ses cornes. Et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit comme une offrande à brûler à la place de son fils. Mais quand on lit ce texte de Genèse, on n'a pas la notion de résurrection. On a plus la notion de substitution que la notion de résurrection. Pourtant, le texte de Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, va mettre un éclairage différent sur ce passage. Et le texte de Hébreux dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommée pour toi une postérité. Et le texte termine, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Là, nous avons un éclairage précis sur ce que pensait Abraham lors de cette substitution.
Et le message de la résurrection est aussi ce message de substitution. Jésus s'est substitué à nous. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui a pris notre place. C'est le message parfait de l'évangile. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? La résurrection de Jésus est le point culminant des quatre évangiles. Et les quatre évangiles vont nous en parler. Avec la mort de notre Seigneur, c'est une des deux grandes vérités fondamentales de la bonne nouvelle. L'évangile prêché par les apôtres, et on a Paul qui dit « Nous prêchons Christ crucifié et uniquement Christ crucifié ». C'est le sens d'abord de la mort de Jésus. Et la deuxième, c'est effectivement la résurrection de Jésus. Il serait difficile de surestimer l'importance de ce fait historique pour le chrétien. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas au-dessus que ça. Quelle garantie nous donne la résurrection du Seigneur? Premièrement, la divinité de Jésus. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit Saint, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Jésus, par sa résurrection, montre sa divinité. Le message est clair. Il fallait qu'il soit homme pour mourir pour les hommes, et il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir le faire. Aucun homme ne pouvait le faire. Deuxièmement, la garantie de la résurrection, c'est bien sûr notre pardon et notre justification. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17 dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Votre foi est vaine s'il n'est pas ressuscité. Vous êtes encore dans vos péchés. Et Romains 4, 25 dit « Lequel a été livré pour notre offense et est ressuscité pour notre justification, déclaré juste par grâce. » C'est pas que nous sommes justes, c'est que Dieu nous déclare justes parce que Jésus est juste. Troisièmement, la garantie de la résurrection, c'est la nature et la réalité d'une vie après la mort. Bien des hommes, aujourd'hui encore, se disent « Mais qu'est-ce qui se passe après ?» La Bible répond à cette question. Christ est les prémices de ceux qui suivront. 1 Corinthiens 15, 20 « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Il y a une vie après la mort en Jésus-Christ. Le texte qui m'a été assigné termine par « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » C'est le message, c'est le point culminant. Bien sûr, cette bonne nouvelle ne pouvait pas rester juste dans le cercle des femmes. Elles ont le devoir d'aller le dire aux autres. Mais je n'en dirai pas plus. Parce que l'histoire va continuer. La semaine prochaine, vous aurez encore quelqu'un qui vous parlera de la résurrection. Donc je ne vais pas prendre sur lui ce qu'il doit nous dire. Je conclus. Voici le message le plus essentiel du christianisme. Christ est ressuscité. Qu'allons-nous en faire ? Que vas-tu en faire ?
Romains 10, verset 9, et je termine par ce verset, nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il s'agit de notre vie éternelle avec Dieu. Que vas-tu en faire? Je prie. Seigneur, merci de ce que tu as donné ta vie pour moi. Tu as pris ma place, que tu m'as donné la possibilité d'une vie nouvelle en toi et que tu me promets cette vie éternelle avec toi. Je sais que tout est grâce de ta part, Seigneur, et je te dis simplement merci et je m'approche de toi avec reconnaissance, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.